Elle est brûlante. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Ah. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Donne le filet avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Et je m'en occupe. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires? Écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Ryan. Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux. Quoi, vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie. Ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer. On y va, faut qu'on t'embarque. Faut qu'on monte. On est dans le grand Ulga. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftfinger Jack, à l'ouest. Non. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Mais il doit pas être loin. Attends, attends, coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Qui a fait ça? C'était un coup des Reapers? Thank you.
foiré, Léon. Couvre-moi. Je te suis, mec. Il est parti par là. Allez. Y a rien ici, par ces saloperies de mutants. Je me suis peut-être planté, à son sujet. Il a peut-être pas de deal avec Copland. Non, ça fait un bail que Léon fourgue du matos à Copland. Ça finit par le rattraper. Hé, hey, attends, doucement. Doucement. Merde. Bon, ok. Alors... Attends, attends, là. C'est par là. Les traces sont fraîches. Au fait, où t'as appris à pister comme ça? J'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. On pistait des bêtes sur les kilomètres. Allez !
hein, frangin? Ouais. C'est juste une égratignure. Ce fils de pute vise comme un pied. Putain de merde. Ça va, Boozer. Il a sûrement pris par là, vers la cascade. Il pisse le sang. Il ira pas loin, allez, viens. Fouille-le. Tu te vides, hein? Sale façon de crever, c'est lent. Et ça fait un mal de chien, mais ça, tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a trouvée, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, on s'énerve pas. Où sont les médocs, Léon? Si tu te mets à table, moi, au moins, je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Je crois que tu souffriras pas très longtemps, Léon. Je t'explique, t'as un petit souci. Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? De se faire étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Va te faire. Adieu, Léon. Attendez! D'accord. Partez pas. C'est juste... là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. Ça veut dire que... Vas-y. Ne laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Fais-le. Enfoiré de menteur! Allez. Doug voudra une preuve pour la prime. T'as pris la bonne décision, mon frère. Pas question de laisser quelqu'un en butant. Même un foiré comme Léon. Hey, minute. Je veux fouiller ce camp, au cas où il y aurait quoi me rafistoler. Ça peut m'être utile. Ça devrait le faire. C'est pas aujourd'hui que je perdrai mon bras, on dirait. Je pensais qu'on irait chasser cette nuit et rapporter quelques primes à Tucker. Pas si tu le décordes, frangin. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves de matos. Ouais, d'accord. Mais je veux pas passer toute la nuit dehors. La vache, je manque d'exercice. Je vais voir si je peux prendre des pièces. Non, mais bordel. Quoi? Le fils de... C'est l'arrivée de l'essence ou tu t'es pissé dessus? Pompe à carburant, Léon, ouais, il m'a flingué ma pompe en fluor.
Ça donne quelque chose, sa moto? Non, elle est foutue. Écoute, on n'a qu'à retourner au Mont O'Leary. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan? On devait sortir chasser cette nuit, non? Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Hey, la file est quoi, Léon? Une espèce de carte. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira fouiner du côté du cimetière. Ouais, ça roule. Bon, demain, on récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Mais tu penses que c'est différent dans le nord? On s'en fout, ça nous ferait du bien de nous tirer d'ici. Attends, la route est bloquée. Fais gaffe. J'ai vu un piège de ce genre il y a deux jours. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Ouais. Ouais. Pousse ! On approche du vieux checkpoint du Nero. On y est presque. Eh merde, qu'est-ce qu'on fout là? File-moi ton fusil à pompe, je passe devant. On dirait qu'ils sont retrouvés acculés au checkpoint. Et ça a plutôt mal tourné pour eux. Et t'as plutôt fini six pieds sous terre avec ces foutus pionniers. Ouais. Bon sang. Regardez, quelle bande d'abrutis tout ce temps qu'ils sont. On dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la horde vienne les bouffer ou quoi? C'est moche de partir comme ça, dans un trou à rats de ce genre.
Tu sens ça? Oh putain! Ouais, bon. Allez, viens, on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, ouais, c'est ça. Va chier. Je rêve, tu cherches vraiment la merde. Et tu l'as trouvé, on dirait. Comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? Pas responsable de sa mort. Laisse tomber. T'es monté dans l'hélico avec Sarah. Tout ce qui aurait changé, c'est que tu serais morte. Laisse tomber, je dis. C'est bon, on a compris. Bon, on passera pas par là. Hé, essaie ce tunnel de service. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche. Braque ton phare par là-bas. J'ai pas fait exprès!
encore un nid. Ouais, je le sens. Il te reste combien de molotov? Je viens d'utiliser le dernier. Et il te reste de quoi en faire? Ouais, ouais. Ce sera pas lent. Ça fera l'affaire. Ouais. Merde. Ils arrivent. Ouais, ouais, j'arrive. J'ai réfléchi à ce que t'as dit, de partir vers le nord. Moi, ce que je dis, on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait les idées. Un matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça, ça me plaît. Bienvenue à la foire aux monstres. Merde. Ça grouille de partout. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous dans ta foi! Saleté de tétard. Allez, fichez-moi le camp, saloperie. Ouais, c'est ça. Restez là-bas et on va bien s'entendre.
Qu'est-ce que t'as fait tomber? Brûle, sacré mutant!
gueule! Ça avance, frangin. T'es prêt? Pas encore. Je trouve comment accéder au garage. Il y aura sûrement une pompe à carbu. Bon bah grouille-toi. Je viens de passer un de ces... Comment t'appelles ça déjà? Des trucs que les Reapers accrochent. Des totems. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont dans les parages. Joli, en pleine tête. Thank you.
Profitons des sources. Encore des détails. Fais chier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais.
doit bien y avoir une pompe à carburant quelque part. Boozer, t'es là? J'ai trouvé la pièce. Je me dirige vers l'autoroute. Nick! Des Reapers! Des Reapers! Non, non, non! Ah ah merde! Des Reapers. Boozer! Boozman! C'est pas vrai. Tiens bon, Boozman, j'arrive. Putain, je l'avais embouté. Les entends. Ces tatouages sont les symboles mortuaires d'un homme mort. Les symboles des égarés. Lâchez-moi. Pas de fils de pute. Hé, motard. Tu dois être déchu, motard. Car tu es égaré, et nous avons été trompés. Toi, mon frère, la voix, on va te montrer. Toi, n'a pas été trouvé. Tu es égaré. Égaré. Renonce. 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 La voix, mon frère, la voix. Une bande d'enfoirés, lâchez-le! Fils de pute, ça suffit! Oh, Boozer! Je vais te faire la peau jusqu'au dernier, putain! Oh, c'est pas vrai. Et merde! Attends, je t'aide. Non, c'est bon. Arrête, fais pas peur, ouais, allez, dodo! Foiré de Reaper! Faut pas qu'on traîne! Aurélie! Qui m'attendait, je sais pas, putain! Ils sont tombés dessus, j'ai rien compris. Oh, ok. T'as vu mon bras? Regarde pas. Putain, mon bras! Je suis sérieux, regarde pas! Fichier. Le regarde pas, je te dis, allez, monte! Ah, la vache! Putain, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça n'a pas bougé depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh, oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero.
Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, laisse pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé hey, j'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé hey, laisse mon fusil à pompe. Hé, hey, Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens à poil sans lui.